Hello, hello, hello. Je vois que le direct est lancé. Bienvenue, bienvenue. Je vais attendre tranquillement que vous arriviez. Est-ce que vraiment ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. C'est tout bon. Alors, bah, je vais patienter quelques minutes. Que vous arriviez tranquillement. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour cette news inspirante parce que j'avais différentes choses à vous partager et que je trouvais ça plus sympa de vous le faire en live sur le groupe des parents inspirants. Bienvenue dans mon salon, bienvenue chez moi. L'installation a été un petit peu compliquée pour ne rien vous cacher ce matin parce que ben, il se trouve que je décide de faire un live et que à l'extérieur, il décide de faire l'entretien des espaces verts. Donc, il y a pas mal de bruit. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je vais attendre que vous arriviez 5-6 minutes. Je sais que certains d'entre vous m'ont gentiment laissé un message pour me dire qu'il ne pourrait pas être, il pourrait pas être présent pour ce live. Il n'y a pas de souci. La vidéo va rester dans le groupe, elle va rester même à la une du groupe parce que j'ai vraiment pas mal de trucs à vous partager. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ou est-ce qu'il n'y a personne dans le groupe ce matin? Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là, que vous me voyez, etc., etc. Je vais vérifier les réglages et puis je vais commencer à vous partager ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, est-ce que les réglages sont OK? Ça a l'air d'être OK. Les choix du direct. Voilà, donc les réglages sont OK. La vidéo est diffusée dans le groupe. Donc, si vous êtes là, eh ben, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Et puis, si vous regardez le replay, eh ben, avec le petit hashtag replay, dites-moi que vous êtes là, que vous avez vu le replay. Et puis, ce sera aussi l'occasion de venir poser vos questions lors du replay. J'ai l'impression que la caméra est un petit peu tordue. Non? Est-ce qu'on est tordu? Non, on n'est peut-être pas si tordu que ça. Ok, alors pourquoi ce zoom ce matin? Je vais revenir ici. Tac, tac, tac. Voilà. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette news inspirante aujourd'hui? Parce que bah, j'avais différentes choses à vous partager. Première chose que je voulais vous partager, c'est que la plateforme Facebook ne correspond plus exactement à ce que j'ai envie. Hello Bertrand, ne correspond plus exactement à ce que j'ai envie. Il faut que vous sachiez que vous êtes aujourd'hui plus de 5 600, je crois, dans le groupe que j'ai construit autour de la parentalité des parents d'enfants à haut potentiel. Je crois que c'est 5 600 ou 5 300, quelque chose comme ça. Mais quand l'un de vous pose une question ou fait un post, ou quand moi je fais un post pour vous informer d'une actualité, mais aussi pour vous partager mes articles de blog et pour tout un tas d'autres choses, ben, en moyenne, vous êtes 200 à être alerté par Facebook que j'ai posté quelque chose. Et vous comprendrez bien que ben moi, je passe pas mal de temps à créer du contenu, à créer des articles, à créer des posts, etc., etc. Et que ça génère une certaine frustration de voir que ben, mes messages dans mon propre groupe privé, avec une communauté que j'ai réunie, ben, que ma communauté n'a pas la possibilité d'accéder de voir ces publications parce que c'est perdu dans l'algorithme de Facebook. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous ai annoncé il y a quelque temps que j'allais fermer ce groupe. J'ai re-réfléchi, j'ai repensé, et oui, je pense beaucoup. J'ai re-réfléchi à ça et finalement, voilà ce qui va se passer d'ici dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le groupe va continuer d'exister, d'accord? Mais
Ça va être la dernière fois que vous allez voir sur cette vidéo le hashtag, le arrobas tout le monde. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas que j'utilise le arrobas tout le monde et je comprends ça, ça peut être vécu comme très intrusif, mais il se trouve que c'est la seule manière aujourd'hui que j'ai de vous alerter sur le fait que j'ai fait une publication dans ce groupe et si vous avez rejoint le groupe, j'imagine que vous êtes intéressé par ce que je partage, mais je comprends que le arrobase tout le monde peut être dérangeant. Donc, ce qui va se passer, je vous l'ai dit, j'ai ouvert récemment un canal Telegram avec un groupe Telegram sur lequel je partage finalement le même contenu que ce que je partage dans le groupe Facebook, mais avec l'avantage que vous le recevez systématiquement. Alors, en tout cas, vous êtes alerté que j'ai fait une publication, un audio, une vidéo, un texte, peu importe. Et puis après, vous avez la liberté de choisir d'aller regarder ou de ne pas aller regarder. OK, vous gardez toujours cette liberté-là, bien entendu, mais au moins, vous avez cette alerte. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vous encourage, pour les membres du groupe qui ont vraiment envie de suivre mon actualité, qui ont vraiment envie de suivre mes conseils, d'être guidés, d'être soutenus dans leur parentalité, je vais vous inviter à rejoindre ce canal Telegram de manière à être alerté de manière systématique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir ici le groupe Facebook de tous les gens qui peut-être sont là sans trop savoir pourquoi ils sont là, qui n'ont pas forcément envie d'être guidés, soutenus au quotidien, mais qui s'interrogent, qui se posent quelques questions. Et puis, sur le canal Telegram, je vais réunir les membres les plus actifs de cette communauté, ceux qui sont vraiment pleinement engagés dans ce mouvement de parentalité inspirante et qui ont envie d'avoir plus de contenu. Donc, si vous avez envie d'avoir plus de contenu, plus d'articles de blog, plus de conseils, plus de publications, pas forcément quotidiennes, mais en tout cas des publications régulières sur votre parentalité pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous permettre d'accompagner vous aussi sereinement votre enfant avec son haut potentiel. Alors, s'il vous plaît, rejoignez ce canal Telegram de manière à ce que vous puissiez être alerté simplement des posts, des vidéos, des audios. Le canal Telegram me permet aussi de faire de varier les contenus. Il peut y avoir de la vidéo. D'ailleurs, cette vidéo va être déposée sur le canal Telegram. Est-ce que c'est OK pour vous, pour ceux qui êtes présents? Est-ce que c'est OK, Bertrand? Je sais que toi, tu es déjà, je crois, sur ce canal. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans les commentaires si ça, c'est OK pour vous? Alors, il y a un petit décalage. Je vois entre la vidéo sur Zoom et puis la vidéo dans le groupe, je vois qu'il y a un petit décalage. En tout cas, voilà, si vous avez une question sur ce canal Telegram, si vous n'avez pas bien compris à quoi ça sert, comment ça marche, comment on y accède, vous me mettez un petit message. Alors, Bertrand qui dit « ça coupe chez moi, Marie, c'est OK pour moi, super Marie ». Donc, Marie, je vais mettre à la fin de cette vidéo, je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers ce canal Telegram. Je vous rappelle que c'est gratuit, ça reste un canal de communication de réseau, c'est une forme de réseau social, c'est un espace où on peut échanger. Donc, je vais vous inviter à me rejoindre sur ce réseau pour avoir les infos que vous avez envie d'avoir. OK ? Ensuite, deuxième info importante de cette journée. Le 4 juillet, il va se passer quelque chose d'important. Alors, ça va se passer dans le groupe, ça va se passer sur Telegram. Donc, c'est aussi pour ça que je vous invite à rejoindre Telegram, parce qu'au moins là-bas, vous êtes sûr de tout avoir. Ça va se passer par mail aussi, c'est pour les abonnés à ma newsletter. Vous savez, ça fait 2 ans que, au mois de juillet, je lançais ce que j'avais appelé le Festival des parenthèses atypiques. N'hésitez pas à me dire si vous avez suivi les précédentes éditions du Parenthèse atypique. C'était quoi, les parenthèses atypiques? C'était des festivals d'été en ligne dans lesquels je réunissais des professionnels de l'accompagnement, des amis, des partenaires, des connaissances qui venaient vous offrir des conférences gratuites pendant 48 heures. Je diffusais gratuitement les conférences pendant 48 heures. Ça vous permettait de connaître de nouvelles personnes susceptibles de vous guider, de vous soutenir et puis d'avoir pas mal de contenu gratuit.
Il se trouve qu'en Bonne au Potentiel, ça fait 2 ans que je fais le festival des parenthèses atypiques. Et cette année, bah, j'étais un peu moins motivée à le faire. J'avais envie de faire autre chose. Alors, ce que je vais vous proposer cette année sur la même période, c'est-à-dire dans pas loin d'un mois, je vais vous proposer ce que j'ai appelé les portes ouvertes inspirantes. Qu'est-ce que ça va être que ça, les portes ouvertes inspirantes? Dans mon monde, dans le monde de l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel tel que je le conçois, vous le savez déjà, j'ai tout un tas de programmes de formation que vous pouvez consulter de manière autonome. Et puis, il y a des programmes que je livre régulièrement en direct. Et puis, il y a l'Académie des parents inspirants. L'Académie des parents inspirants, dont Bertrand fait partie, par exemple, c'est quoi? Bah, c'est un espace dans lequel les membres ont accès à tous mes programmes. Ceux que j'ai déjà donnés, ceux qui sont en cours et ceux qui vont arriver, et puis qui ont aussi accès à un groupe Telegram privé, mais aussi à des lives réguliers. Et ce que je vais vous proposer pendant les 15 premiers jours de juillet, je vous remettrai les dates prochainement, ce que je vais vous proposer, bah, c'est une immersion dans mon monde, une immersion dans l'Académie des parents inspirants pour 2 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 semaines, ben, on va faire ensemble le tour. Je vais vous faire visiter. C'est un petit peu comme une porte ouverte. Je vais venir ici et dans le groupe Telegram et par mail et sur YouTube et sur tous mes réseaux. Je vais venir vous montrer comment ça marche, l'Académie des parents inspirants. Qu'est-ce qu'on y trouve? Je vais vous offrir aussi des extraits. Ça veut dire que vous allez pouvoir entrer dans l'Académie gratuitement, voir comment ça se passe, voir le contenu qu'il y a. Vous allez y retrouver, je vous l'ai dit, tous mes programmes, mais aussi les 2 coffrets des parenthèses atypiques précédentes et puis tous les lives que j'ai enregistrés avec les membres de l'Académie ces 2 dernières années. Je vais vous ouvrir les portes de l'Académie des parents inspirants pendant 15 jours. Je vais vous guider pour parcourir l'Académie. Je vais vous guider par mail, je vais vous guider par vidéo, par audio, par tous les moyens qui pourraient vous convenir. Et donc, bah, sur inscription gratuite, je vais vous ouvrir les portes et vous allez pouvoir regarder il y a quoi dans cette académie, comment ça se passe. Et puis, plus que ça, puisque l'Académie des parents inspirants, elle inclut aussi des séances live, et bien plus que ça, je vais vous inviter à rejoindre les membres de l'académie. Alors, vous allez retrouver, je crois qu'il y a 23 membres actuellement dans l'Académie des parents inspirants, ou une quinzaine, je ne sais plus. Vous allez retrouver tous ces membres les jeudis soirs, de 21h à 23h pour venir participer aux rencontres inspirantes de l'Académie et puis venir voir un petit peu comment ça marche, venir voir comment ça se passe quand on se rencontre entre parents chaque jeudi. En tout cas, actuellement, c'est chaque jeudi. On va passer à 2 jeudis par mois dès l'été. Mais en tout cas, pendant 2 semaines, je vais vous inviter. Ouais, Marie, elle dit chouette. Vous serez invité pendant 2 semaines à venir participer au live de l'Académie, aux rencontres inspirantes, donc 2 semaines de suite pour que tout le monde puisse s'organiser pour venir au moins une fois et puis venir vivre cette expérience-là. Pourquoi est-ce que je vous propose ça? Parce que je reçois énormément de messages, je reçois beaucoup de mails, vous interagissez beaucoup aussi dans le groupe et je vous remercie de ça, mais j'observe aussi que parfois ce qu'il vous manque, bah, c'est de passer à l'action, c'est de sortir de vos têtes, de votre réflexion de parents, pour être plus dans de l'action. Ok, je rencontre ce défi, j'ai cette difficulté, mon enfant a ce défi, mon enfant a cette difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Et vous êtes souvent en attente de réponse. Et je comprends ça, ok? Je comprends tout à fait ça. J'essaye le plus souvent possible de vous guider, de vous soutenir dans cette démarche-là, dans le groupe, mais aussi dans mes réponses par mail, sur Telegram, sur Insta, sur tous mes réseaux. Mais moi, ce que j'ai envie, pour l'été qui s'ouvre et puis pour cette nouvelle dynamique que j'ai envie de donner à mon organisme de formation atypique et épanouie, ce que j'ai envie, c'est que vous passiez à l'action. C'est de vous soutenir et de vous guider pour que vous passiez à l'action, que vous veniez vivre une autre expérience de votre parentalité, que vous veniez repenser cette parentalité au regard du haut potentiel de votre enfant, du vôtre peut-être aussi. Et pour ça, bah, l'Académie, c'est vraiment le lieu idéal parce que bah, on a du contenu théorique, on a des outils, mais on a aussi tout un travail de cheminement pour repenser notre parentalité et pour obtenir
les effets qu'on attend pour retrouver cette vie de famille apaisée dont vous avez tellement envie, pour sortir du tourbillon du quotidien, pour créer une meilleure relation avec vos enfants, pour qu'il y ait moins de crises, pour que les tempêtes émotionnelles soient moins fréquentes, etc., etc., etc. Donc, pendant 15 jours, je vais ouvrir les portes, je vais mobiliser également les membres de l'académie qui seront volontaires, peut-être pour vous servir de guide. On va essayer d'organiser quelque chose de cet ordre-là avec les membres de l'académie. Ils ne sont pas encore au courant, pour vous dire la vérité, parce qu'on est en train de finir le programme essentiel. Donc, je vais leur en parler dans pas très longtemps, mais je vais organiser une sorte de mentorat, une sorte de tutorat avec les membres de l'académie qui seront partants, bien entendu, pour qu'ils puissent vous partager, échanger avec vous, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y vit, qu'est-ce qu'ils en ont appris, c'est quoi leur expérience à eux dans l'académie des parents inspirants, quelle vidéo ils vous conseillent d'aller regarder, c'est quoi le premier programme pour eux qui a été vraiment un game changer dans leur parentalité. On va essayer de créer quelque chose comme ça avec les membres de l'académie, puisque ceux qu'on parle le mieux, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Donc, je vais essayer de réunir, je sais que certains d'entre eux seront partants, j'en suis certaine, pour qu'ils viennent vous faire le tour du propriétaire, pour qu'ils viennent vous ouvrir les portes avec moi et vous permettre d'entrer dans ce monde-là. OK ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Je vois Claudia qui dit OK. Bertrand, est-ce que c'est OK ? Marie également. Si vous avez des questions sur ces portes ouvertes, je vais vous mettre le lien dans la journée vers la page d'inscription pour être alerté de quand on va ouvrir les portes de l'Académie des parents inspirants. Ce sera sur inscription gratuite, bien entendu. Vous aurez simplement à vous inscrire. Ça ne va pas tarder d'apparaître. Alors, peut-être que si je ne le mets pas aujourd'hui dans la description de cette vidéo, ça va de toute façon apparaître en premier sur mon canal Telegram, ça c'est une certitude. Et puis, je reviendrai le mettre ici aussi. Mais je vous rappelle que ici les publications, elles sont assez peu vues. Et cette vidéo sera la dernière dans laquelle j'utiliserai le @toutlemonde. OK, donc ça veut dire que si vous êtes intéressé vraiment pour participer à ces portes ouvertes, pour venir visiter, pour rentrer dans mon monde, pour sortir un peu des réseaux sociaux, ce sera le moment vraiment d'être attentif à ce qui va être publié sur le groupe pour ne pas manquer l'inscription aux portes ouvertes. J'avais envie aussi d'aller un petit peu plus loin sur la dynamique dans laquelle je suis. Vous le savez, Atypique Épanouie, c'est mon organisme de formation, c'est mon activité. Ce groupe-là fait partie de mon activité professionnelle. Et j'avais envie de vous partager que, oui, je poste sur les réseaux sociaux, oui, j'essaye de faire du bruit, comme on dit, pour alerter les parents qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être guidés, pour les alerter qu'on existe, les parents inspirants existent, l'académie existe, le groupe existe, venez chercher du soutien, réunissons-nous autour de cette question-là. Et finalement, vous ne voyez qu'un côté du décor. Et moi, ce que j'ai très envie, c'est d'une relation qui soit beaucoup plus authentique avec vous. Alors, c'est compliqué d'avoir une relation authentique avec 5300 personnes dans ce groupe, 16 000 personnes sur ma liste email, mais en tout cas, c'est vraiment vers ça que je tends le plus. J'ai vraiment envie qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, qu'on puisse se parler et que vous ne soyez plus dans cette position de « je pose une question, j'attends une réponse », mais plutôt qu'on soit dans une dynamique de co-création de vos solutions, qu'on réfléchisse ensemble. Okay ? C'est pour ça que lors des conférences que je donne régulièrement, si vous êtes inscrit à ma liste email, vous savez que régulièrement, une fois par mois en général, il y a une conférence de proposer, une masterclass de proposer. Désormais, elles se font beaucoup avec vos caméras et vos micros ouverts et plus du tout sur le mode où on ne voit que moi et où vous êtes que dans le chat. Ça n'empêche pas que vous avez le choix de laisser vos caméras fermées et vos micros fermés, d'accord ? Mais c'est vraiment pour participer à cette dynamique où j'ai besoin d'échanger avec vous. J'ai besoin qu'on puisse se parler, j'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin que vous me connaissiez aussi. En dehors des jolies photos que je poste à droite ou à gauche, en dehors des articles de blog que j'écris, en dehors de tout ça, que vous puissiez mieux me connaître moi aussi. Et donc le canal Telegram, tout ce que vous allez voir désormais dans le groupe Facebook, sur ma chaîne YouTube et un petit peu partout, elle va... Vraiment, on va vraiment switcher dans cette dynamique-là à compter du début du mois de juillet.
avec cette intention vraiment de revenir à quelque chose de plus proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en toute authenticité, dans l'organisation de mon entreprise, bah, vous allez toujours voir passer des articles de blog, des posts sur Insta, des réels sur YouTube, des réels sur Insta, des réels sur Facebook. Vous allez toujours voir tout ça. Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à dire au monde, j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous guider, j'ai envie de vous soutenir. Venez regarder, venez voir dans mon monde ce qui s'y passe. Peut-être que vous allez trouver l'aide et le soutien dont vous avez besoin, d'accord ? Ça veut dire aussi que la communauté que j'ai créée autour de tout ça, j'ai besoin que vous vous engagiez avec moi dans cette démarche-là. Donc, si vous sentez l'élan, vous aussi, de dire à d'autres parents qu'il existe des espaces où ils peuvent être entendus, où ils peuvent être soutenus, bah, c'est très facile, il suffit de liker une vidéo, de partager une vidéo, de laisser un commentaire, d'être plus actif. On en revient toujours là. Je cherche des membres de ma communauté qui ont envie d'être actifs dans cette communauté, qui ont envie de sortir de cette position de passivité. Ça vient de quoi cette nouvelle envie-là, en tout cas cette manière dont j'ai repensé l'organisation de mon activité? Ça vient du fait que depuis le Covid, on s'est tous un peu renfermés, ok, on est d'accord là-dessus. On a d'abord savouré, apprécié de retrouver des moments en famille, il y a eu aussi des moments très difficiles, mais on a perdu un peu de cette connexion et puis finalement, bon, c'était pas si mal. En tout cas, moi, je peux vous partager que pour moi, c'était pas si mal de faire une pause dans le tourbillon social, dans le tourbillon de la vie, etc. Et en toute authenticité, je sens que on est tous plus ou moins entrés dans une forme de passivité, de, comment on dit, de fatalisme. Il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, on a des difficultés avec nos enfants. On est un peu dans un mode, on subit quoi. On subit tout ça et on ne se sent pas légitime ou pas capable de se relever les manches et de se dire « Ok, aujourd'hui, je ne subis plus tout ça. Aujourd'hui, je prends la décision de me créer une vie de famille qui me va. » Et puis oui, il y aura des choses compliquées. Il y a des choses qui sont compliquées. Ça ne veut pas dire qu'on les nie. Ça veut simplement dire que vous avez le pouvoir de créer la vie de famille dont vous avez envie, dont vous rêvez et puis que vous méritez aussi. Vous avez le pouvoir de vous engager dans cette parentalité-là. Et j'ai envie vraiment que, à partir d'aujourd'hui, celles et ceux qui auront visionné cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre des likes si le message que je vous partage aujourd'hui vous parle, ou à me laisser des commentaires aussi si le partage d'aujourd'hui vous parle. J'ai envie que vous repreniez le pouvoir sur votre parentalité, que vous repreniez du pouvoir sur votre possibilité d'action, qu'on sorte ensemble de cette inertie dans laquelle le monde nous entraîne. Okay, j'ai bien conscience que le monde nous entraîne dans cette inertie, dans cette lourdeur, mais allez, venez ensemble, on est 5300 dans le groupe, vous êtes 16 000 sur ma newsletter, ensemble, et si on crée un truc différent? Et si on se disait, ok, il y a des choses compliquées, ok, il y a l'inflation, il y a la guerre, il y a récemment, moi j'habite à côté d'Annecy, donc ceux qui suivent l'actualité, il y a des choses horribles, on est entouré de gens qui parfois font des choses horribles, et si ensemble, on décidait qu'on va devenir des meilleurs parents, des meilleurs humains, pour construire un monde meilleur pour demain, pour nos enfants et avec nos enfants. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous êtes motivé pour ça? C'est toute la question. Mélanie qui dit si tu as besoin de gribouillage, on en parle. Alors pourquoi Mélanie, elle me dit ça? Parce que Mélanie, elle a été membre de l'Académie des parents inspirants. Elle fait maintenant partie des rencontres inspirantes, qui est un autre espace. Et Mélanie, elle a un don en sketch notching. Oh, j'ai du mal à le dire, hein. Elle a un don en sketch notching et donc régulièrement, bah, elle fait des petits gribouillis, comme elle dit, de mes interventions, de mes articles de blog, des programmes qu'elle suit, des nombreux programmes qu'elle suit. Donc, on va s'en reparler, Mélanie, de toute façon, hein, Mélanie, Anne et les membres de l'Académie ou des rencontres inspirantes. Je vais vous mobiliser dans ce projet-là parce que j'ai envie que vous soyez aussi que vous participiez à ce mouvement de soyons des parents inspirants, essayons de nous relever les manches, essayons de construire ce monde meilleur, arrêtons de subir cette inertie, de subir les difficultés qu'on rencontre avec nos enfants. Encore une fois,
Ça ne veut pas dire que je nie le fait que vous les rencontrez, je les ai connus, ceux qui me suivent savent combien j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça, donc j'ai rencontré moi aussi ces difficultés-là. Mais si on se relevait les manches ensemble, et si on se disait, ok, à partir de maintenant, les éléments extérieurs qui sont compliqués, bah, ok, je vais faire avec, mais où est-ce que j'ai du pouvoir dans ma vie ? Et là où vous avez du pouvoir dans votre vie, c'est dans votre parentalité. Vous avez le pouvoir de devenir un meilleur parent. Vous avez le pouvoir de composer avec le potentiel de votre enfant. Et puis surtout, vous avez le pouvoir de faire en sorte que votre enfant devienne à son tour un adulte épanoui et que donc il modifie et qu'il contribue à son tour le monde dans lequel on vit. Alors, je vais venir lire vos commentaires. Dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-moi si ça vous parle. Alors, Bertrand qui dit, il y aura un replay de cette vidéo parce que là, ça coupe tellement que je ne peux pas suivre. Oui, il y aura le replay, bien sûr, restera dans le groupe et je vais même la laisser à la une afin que chaque personne qui arrive dans le groupe puisse avoir connaissance de cette vidéo. Ok, est-ce que parmi les membres présents, moi j'ai fait un peu le tour du message que, je ne vais pas vous prendre toute votre matinée, j'ai fait un peu le tour du message que je voulais vous passer ce matin, ça veut dire on va se résumer ça. D'abord, si vous voulez suivre de plus près mon actualité, mes conseils, mes posts, mes réels, mes délires aussi, parce que il y a des délires parfois dans certains de mes vidéos, etc. Rejoignez le canal Telegram parce que là-bas, vous êtes sûr de ne rien manquer. Si vous préférez rester sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, alors activez les différentes notifications qui se trouvent un peu partout sur les réseaux sociaux pour être alerté de mes publications. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur mon monde et sur mon univers, c'est OK aussi, d'accord, vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester. Mais c'est simplement, voilà, pour ceux qui regrettent de ne pas pouvoir tout suivre, vous avez cette possibilité-là. La deuxième information, c'est l'ouverture des portes ouvertes de l'Académie des parents aspirants qui aura lieu début juillet. On va faire du bruit ensemble pour qu'un maximum de parents puissent nous rejoindre dans ce grand mouvement des parents aspirants, qu'un maximum de parents puissent avoir accès à des supports, à des contenus, à des rencontres dans lesquelles ils vont pouvoir se sentir enfin entendus, compris, soutenus, guidés dans les défis qu'ils rencontrent avec leurs enfants au potentiel. Et puis la troisième information importante de ce live, c'est est-ce que vous êtes partant pour avec moi sortir de cette inertie dans laquelle le monde nous entraîne pour reprendre le pouvoir sur votre parentalité, pour redevenir les experts de votre enfant et pour simplement faire de cet espace, de votre laboratoire familial, un espace où le monde extérieur impacte moins, ce serait une illusion de penser qu'il n'impacte pas, mais en tout cas impacte moins, et qu'on sorte de l'inertie ensemble, qu'on reprenne le pouvoir sur notre parentalité, qu'on remette notre attention sur ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire l'accompagnement de nos enfants et le bien-être de nos enfants, et puis comment est-ce qu'on peut les accompagner plus sereinement pour qu'ils deviennent à leur tour des adultes épanouis et heureux, même avec leur haut potentiel. Voilà pour les trois infos. N'hésitez pas à interagir sous cette vidéo, à me poser vos questions. Peut-être que s'il y a beaucoup de questions, que s'il y a des choses pas claires, peut-être que je vous reproposerai un live questions-réponses pour répondre à vos questions. En tout cas, moi, je me réjouis de vivre tout ça avec vous. J'espère qu'on va être très nombreux dans cette nouvelle dynamique. Le petit hashtag parent inspirant pour dire « Ok, je veux reprendre du pouvoir dans ma parentalité. J'ai envie, je suis prête, je sens que c'est le bon moment pour moi pour repenser ma parentalité et pour me mettre en mouvement, me mettre en action pour faire changer les choses dans ma vie de famille. Ça ne peut passer que par de l'action. » Hashtag parents inspirants si ça vous parle. Et puis, écoutez, je reprends 5 minutes pour venir vous lire. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Mélanie, elle dit oui. Génial, Mélanie, je suis certaine que tu feras partie des guides des portes ouvertes. Avec Bertrand, je pense que j'aurai votre accord et puis d'autres aussi seront partants. Je vous en parle très bientôt dans le groupe des parents de l'Académie. Ok. Avez-vous des questions pour les quelques personnes présentes, où est-ce qu'on en reste là pour cette fois? Ok,
Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Vous êtes assez peu nombreux à être présents au live. Voilà, j'avais créé une discussion où les gens m'avaient dit « Dommage, je ne vais pas pouvoir être présent. » Et mes amis du Québec, bien entendu, pour qui il est très tôt dans la nuit. Donc, les Québécois, venez participer à ce mouvement-là. On a besoin de votre énergie. On a besoin de votre positive attitude. On a besoin de votre bienveillance pour nous motiver aussi. Marie qui dit, pour moi, c'est clair. Merci. Super, Marie. Écoutez, je vous dis à très vite pour l'ouverture des portes de l'Académie des parents inspirants, des portes ouvertes de l'Académie des parents inspirants. Je compte sur votre engagement. Je compte sur... Voilà, vous êtes partant, vous êtes chaud, vous avez envie, c'est le bon moment pour vous. Vous savez que là, l'été, vous allez vous en saisir pour modifier ce que vous avez besoin de modifier dans votre parentalité, pour la repenser, pour vous mettre en chemin. Venez sur Telegram, là, vous ne manquerez rien. Et puis, ici, vous ne manquerez rien non plus. Mais l'algorithme est capricieux et donc je ne peux pas vous assurer que vous verrez toutes mes publications. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes déjà les meilleurs parents pour vos enfants et que des fois il suffit du premier petit pas pour vous savez c'est cette histoire du battement d'aile d'un papillon qui va derrière créer de grandes choses. Ben, si on est plusieurs à battre des ailes, il est possible qu'on crée de grandes choses. Je vous embrasse et puis je vous dis, ah, Marie a une question. L'offre pour les 15 jours pour découvrir l'académie pourra être partagée, bien sûr, et je vous encouragerai à la partager. L'idée, c'est vraiment de créer ce mouvement-là. Et oui, bien sûr, Marie, vous pourrez la partager et je vous encourage à la partager et à faire connaître cet espace-là au plus grand nombre. OK? À très bientôt! Passez une bonne journée. Moi, cet après-midi, je vais accompagner les professionnels de l'accompagnement que je forme dans la cohorte de juin. Donc, je vais aller préparer le contenu que je leur prépare pour cet après-midi. Et je vous reviens très vite pour lire dans les commentaires. Bye bye!